Alors bonjour à toutes et à tous, après notre petit tour de manège, on va un petit peu jouer avec notre... On va opérer, on va récupérer le truc. Je vais pas patienter et perdre du temps avec... on va prendre M. Beilstein, hein, si je ne me trompe. Poing. Est-ce que c'est bien toi? Je crois que c'est lui, c'est toi. M. Beilstein, voilà. Mbaïchada, tu as une importante tendance toxicomaniaque. Alors on va essayer de te sauver la vie pour que tu n'abîmes pas trop tes poumons. On va t'en enlever au moins un, déjà. Hein? Voilà. De préférence, le poumon gauche. Voilà. Comme ça, on est déjà un peu plus tranquille avec tes poumons. Tu pourras fumer autant que tu veux, tu ne pourras abîmer qu'un seul de tes poumons. L'autre, notre ami le chauve, va en faire un très 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 bon. Tu fais quoi avec elle? Tu transportes jusqu'à la table, oui, d'opération. Oui, c'est ça la table d'opération, je suppose. Voilà. Bien, mademoiselle Libellule, vous démontez un mur en métal. Oui, bon, on va te laisser faire. Pardon. Bon, viens d'abord ici. Alors. Ne peut pas récolter, a besoin de matériaux. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette ici les herbes médicinales. Pas besoin de... Tu crois qu'on va mieux mettre un médoc? Mais j'ai que des super médocs, moi. J'ai pas de très bons médocs. J'ai que des super médocs. Je crois, hein, j'ai pas d'autres médocs que ça. Montre-moi un peu. Non, j'ai que du super médoc. Libellule, tu as combien de... Ma petite libellule, réussir 80%. Ah, tu vas me réussir ça, si tu rates de gauche, tu me prendras le droit. Enfin, on verra bien, hein. Allez, on va tenter le coup. De toute façon, j'en ai un deuxième après, s'il faut. Prioriser. Allez, roule ma poule. Et par contre, je vais demander à un Becker de revenir nettoyer, ici. Est-ce que la pièce est bien propre? 0,56 sale. Donc, nous voyons ici. Tu ne veux pas nettoyer, Becker. Ah, pardon. Comme ça. Prioriser. Ensuite, tu nettoies et tu nettoies tout ça. Et normalement, à la porte, vous avez toujours aussi un petit coup de saleté. Quand vous ouvrez un petit 0-16, 0-17, eh ben, généralement, c'est parce qu'il y a. Il y a un petit coup de saleté là en dessous de la porte, c'est tout. Normalement, c'est à cause de ça. Bon, vous allez me garder la pièce propre, hein, les petits gars là maintenant, hein, bien propre. Comme ça, on n'a pas trop de risques avec sur ma chambre, 0,770. Où es-tu, ma petite libellule? Viens vite, ma belle, viens vite. Viens dire bonjour à une belle chat. Viens piquer le poumon. Viens piquer le poumon. Ok, c'est bien propre, c'est parfait. À mon avis, les autres vont pas être très contents, hein, qu'on fasse ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, toi, t'es content avec Mbaïcha? Tu connais pas Mbaïcha, non? Si, ah si, c'est une copine. Aïe, amie. Va pas être heureuse, à mon avis. Je ne pense pas que tu vas être heureuse de voir ton ami, mais sinon tu es déjà copine avec Jean, hein, plus mal. Allez, les relations avec le clan des mères sont passées de moins 80 à moins 100. On vient de prélever sur le poumon. Alors, vache, par contre, me retient en captivité, donc ça va. Une conversation profonde, on s'en fout, ah ben ça va. Et avec Libellule, tu ne dis rien. Règle spéciale. Ok. Et par contre, dans nos chances de prisonniers, est-ce que ça a changé quelque chose? On ne dirait pas. On ne dirait pas. Ok. Est-ce que la salle est propre? Maintenant, il y a un petit peu de saleté, ce qui est logique. Donc, Grizzly, tu vas venir après nettoyer. Je suppose que c'est ici. Non, c'est où? Quelle saleté. J'aimerais bien que ça soit propre, hein, qu'elle n'ait pas de... Voilà, ici.
les toits s'arrêter. Voilà, nous avons un poumon pour notre ami le chauve. Ben Grisy, tu vas le récupérer d'ailleurs, toi. Hein, voilà. Hop. Parfait, parfait. Toi, on va te laisser récupérer ta vie. Et puis, on va te libérer, prisonnier, résistant. Le problème qu'il y a, c'est que si je le libère, 53 degrés, ça va déjà un petit peu mieux. On va attendre un petit peu pour le libérer, qu'il fasse pas trop chaud. On va le libérer juste avant la nuit. Je pense que demain, juste avant la nuit, parce que si on le libère maintenant, il est dans les vapins, donc de toute façon, on va le laisser revenir un petit peu correctement. Voilà. Santé, anesthésié, et plus de poumon gauche. Ben c'est bien. Eh bien, je suis content. C'est parfait. C'est parfait. Est-ce que je soigne le chauve tout de suite en lui donnant un médicament avancé? Ça pourrait être fait. Alors, vous autres, vos besoins. Un organe a été prélevé sur quelqu'un. Pendant 8 jours, je vais me prendre un petit moins 5. Bon, pas très 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 grave. Hein. C'est pas très très grave. Ah ah, c'est le mariage. C'est le mariage de le chauve et de Grisly. J'ai mis ça pour que ça soit près de chez maman. Grisly, tu me fais quoi pour l'instant? Tu faisais une pousse sem cactus songalo. Eh bien, après, tu vas nettoyer ça. Voilà. On va laisser finir quand même notre petite libellule. Libellule, je ne veux pas que... On va pas laisser ça comme ça, hein. C'est, faut pas rêver, quoi. Voilà. De toute façon, Grisly est encore occupé, ma belle. Tu vas pas rater grand-chose. Tu vas pas rater grand-chose. Grisly est encore occupé de faire pousser son arbre. Voilà. Si tu te dépêches, tu arriveras à temps pour la cérémonie. Dépêche-toi, ma belle. Allez, allez, hop, libellule. Allez, on va aller voir la cérémonie. Il me faudrait... Oh, l'autre était bien malade. Ah, ça y est, ça bloque. Qu'est disponible. La monstrueuse structure. Bon, là, c'est dégueu. Bon, bah oui, c'est normal un petit peu. Hein. On est malade quand on est... Après avoir été opéré, après l'anesthésie, on n'est pas bien. Alors, tu me demandes quoi, là, ma biche? Tu vas me donner quoi? Une griffe énergétique. Griffe énergétique, c'est... Bon, c'est que 290. Mais c'est quelle taille? 7 x 4. Alors, la griffe énergétique... Pouf, une belle pénétration d'armure. Dégâts en mêlée, 11. Il faut 2 secondes par attaque. Alors, comment ça marche? Ben, la griffe, soit on va taper avec l'arme qu'on a en main, soit on va taper avec la griffe, soit on va mordre, soit on va donner un coup de pied, si tac 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 tac. Généralement, c'est ce qui est le plus qui donne le plus de dégâts, qui va être utilisé en premier. Mais donc il y a trois possibilités. Vous avez trois tiers, si on peut dire, dans les attaques. Donc le premier tiers, normalement, c'est avec l'arme. Le second, c'est avec la deuxième arme. Je veux dire une griffe ou un truc comme ça, si elle est moins puissante que votre marteau ou autre chose. Et en troisième lieu, c'est avec une autre partie du corps qui fait un petit peu moins. Et chaque fois, la probabilité diminue qu'on attaque avec ça. Donc ça peut être pas mal, mais je vais dire que c'est, pour moi, c'est pas l'idéal. Je préfère mettre un bras bionique. Que de mettre ça, et ceci par contre on va pouvoir le vendre bien entendu.
entendu. Hein, ça me fait quand même une valeur totale que 385. Pas terrible, ça. On a combien? On a 3 jours et demi, à peu près, pour le faire. Je pense qu'on l'acceptera quand même, hein, mais... Notez que maintenant, j'ai des récoltes qui vont arriver, donc j'ai pas vraiment le temps de jouer avec... j'ai pas vraiment le temps de jouer avec ce type de quête-là. J'ai combien de pierrailles? Bon, on a 110, mais on a encore pas mal de travail à faire. Hein. On a encore le mur... Non, ceux-là, ils sont tous faits. Porte en métal, c'est un plan, hein. Donc pour le moment on va l'annuler. Donc j'ai encore ça aussi à faire, hein. J'en ai encore 3 ici, ça fait déjà 15. On va regarder le mariage. Assistana, oui. Donc, c'est là que ça se passe, le mariage, normalement. Non, hein, on ne peut pas le faire là. Bon, bah, j'espérais que maman ait pu... Si, ils vont y aller, hein, non, c'est sûr. C'est là le mariage, les enfants. Capsule de cargo. Oh, what's... Tu m'amènes quoi? Des œufs d'oie non fécondés. On va tout chercher, ça, messieurs. Pourrira donc un jour. Okay. Est-ce que j'ai toujours quelqu'un qui peut aller dehors? Ouais, j'ai toujours des guerres qui peuvent aller dehors. Des guerres, ton travail, c'est transporteur en 2, infirmier en 2. Ok. Ça va. Ouais. Ben j'aurais pensé qu'il viendrait se marier ici, moi, mes quatre, là. Non? Normalement, oui, hein. On va voir. Même que maman puisse regarder ce qui se passe, hein. Oui. Non. C'est fini? Assiste toujours. Maman n'a rien vu. Tant pis. Bon, c'est pas grave. Hein, on peut rien y faire. Decker, tu dors. Grizzly, tu manges des pâtes et après tu vas nettoyer un petit peu tout ça, mon gars. C'est pas parce que tu viens, t'es jeune marié que... Hein? Hop. Et encore une deuxième capsule de cargo. C'est quoi? Du diabète 40. C'est pas des tonnes non plus. Ah, c'est non plus que ça. Oula, bien ça. Diabète off, 55, c'est excellent ça. Eh ben, bon, font des cadeaux. Encore un ici. Et c'est encore un non fécondé, voilà. 38. Mais ça me fait de la viande, ça, c'est bien. C'est un équivalent de viande, l'œuf. Et en plus, je crois que. Et au fait, j'ai encore de la bouffée pour maman. Maman, elle bouffe ou pas? Non, maman, elle bouffe plus. Assignation. Maman, elle est en raffiné, mais il n'y a plus de raffiné, hein, je crois. J'ai plus de raffiné. Donc, il faut que je fasse vite fait, bien fait, un petit plat simple, 4 petits plats simples. Avec... viande, j'ai pas, végétaux, riz, pommes de terre, ok. Et c'est va être Grizzly qui va faire ça après avoir nettoyé. Voilà. Bon, ben, on va pas se plaindre, hein. Bon, l'avantage aussi d'avoir qu'une seule colonie, ben vous n'avez que... Tous les événements se passent sur votre colonie, pas autre part. Oui, ça, tu passes en plat simple, ma biche. Voilà. Est-ce que simple est correctement géré? Faites attention à ça si vous démarrez une partie. Simple, vous voyez, c'est pas bien géré du tout, parce que s'il n'y a pas, ils peuvent bouffer n'importe quoi qui est autorisé. Et donc, bien entendu, vous supprimez tout pour ne garder que ce que vous êtes d'accord de garder.
Et donc on veut que ça soit du plat simple et pas de la pâte nutritive. Donc on fait comme ça. Voilà. L'équerre. Après, tu iras nettoyer le vomi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un Paishaïda prisonnier social. Vache a à peine répondu. Oui, un Paishaïda, je vais te virer de là, ma belle. Parce que je veux pas que... Toi, je te vire. Tu n'existes plus dans notre vie. Et donc, je vais te foutre dehors. Fonce. M'baïshada. Il est sorti. Voilà, on a redescendu un petit peu notre bidule. Et surtout, j'ai plus besoin. Ça, tu fais quoi? Tu vois, je vais le dire, m'étoffe. Bien sûr. J'en ai absolument besoin. Par contre, ici, qu'est-ce que nous avons? Ça va. Et là, je ne veux que ce truc, cette saloperie-là. Oui. Est-ce qu'on commence à récolter? Pas encore. Alors, comme je disais, ça, c'est quand même très intéressant. Saviez-vous que le cactus est l'arbre qui a le meilleur rendement en bois? Il lui faut que 10 jours pour pousser... avec repos compris, 10 jours pour pousser, et il donne, si je me rappelle, il donne 15. Rendement récolte 15. Bon Dieu, c'est le meilleur. C'est le meilleur pour le bois. Et donc, si vous pouvez le faire pousser, ben, profitez-en. C'est du gratuit recrutement, avec 7% de chance à peu près à chaque fois. On va enlever un petit peu de zone ici d'ailleurs. Ça sert à rien que je garde tout ça. On la mettra que quand j'aurai vraiment besoin de soit qu'il y a le feu, soit qu'il y a eu du sang tout plein. Voilà, à part ça, c'est pas la peine d'augmenter la zone inutilement. Voilà, là j'aime bien que ça reste propre quand même là. Pour J'aimerais que ça reste propre là parce que comme il y a notre piquet de fer à cheval, d'ailleurs je vais le rebouger maintenant et je vais plutôt le déplacer, je veux pas qu'il aille dans un, ici il serait pas trop mal, sauf, ouais, on pourrait le mettre ici. On va plutôt le déplacer ici je crois, ouais. Là il n'y a plus besoin de vraiment qu'il soit là. La quête, 24 heures. Bon, 72%, 96%. La quête, on va la virer. Voilà. Alors, on a du diabétof qui est revenu. Je ne vois plus rien là-dedans. Je voudrais bien récupérer une ampoule. On va remettre une ampoule parce que sinon, on ne voit pas clair. C'est chiant. Voilà. Alors, au niveau de la bouffe, on en est où? Je n'ai plus beaucoup de nourriture, moi, ici. Il me reste une viande. 16 végétaux, 30 œufs. Ah bon? Eh ben, dites donc, j'avais pas fait attention à ça, moi. Vous savez quoi? Bon, on a normalement déjà plus de trucs ici. On a beaucoup plus de riz qui va arriver grâce à ceci. Nous avons également pour l'instant 9 composants. Je pense qu'on va se refaire... donc on a fait combien? 1, 2, 3, 4 bacs en plus. Et nous avons 1, 2... normalement 3-4 personnes en plus, donc il me faudrait des bacs. On va refaire des bacs, 2 bacs au moins. On va refaire 2 bacs en plus.
On va en mettre un ici, oui, et l'autre peut venir, il sera très bien ici aussi. Oui, je crois pas que les bacs gênent. Je vois pas pourquoi les bacs gênent rien. Ça fait déjà deux bacs en plus. Mais je crains que le mot a pourri dans le stockage, c'est parfait. Donc là, je ne serai plus qu'à 7. Je vais demander à ce qu'on fasse ça. Recrutement raté, 7.2. Voilà. Ça va être pour Decker. Decker, c'est toujours bon, tu peux toujours aller là-bas, donc aucun problème. Voilà. On va assurer un peu plus le coup, hein. J'ai pas envie de tomber en panne de bouffe, hein. Allez, j'ai pas du tout envie d'aller faire de la chasse à de la viande d'insectes qui est dégueulasse, qui vous fout un moral dans les talons. Vraiment pas l'intérêt de ce truc-là. Voilà, Decker est parti, on le voit là-bas. Un colon inactif, c'est le chauve, parce que madame ici aime bien faire ça. Donc madame, elle va me faire du. Alors, on n'a plus de place. Donc, écoute, ma biche, tu vas continuer à creuser, hein, ma belle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour le moment, tu vas me dominer. Ça, et ça, bien sûr. Et ensuite, tu as également toute cette partie-ci à éliminer. On ne peut que supposer qu'il y a du métal, peut-être pas là. Voilà, on va attendre un peu ici. Voilà, comme ça, tu as du job. Donc, les bellules, je t'invite à faire ça. Comme ça, monsieur le chauve va pouvoir travailler. C'est un bon travailleur, le chauve. Il a 20% de vitesse supplémentaire. Grizzly, t'as pas. Non, il a fini complètement ceci. Je voudrais faire finalement un petit peu plus de trucs ici aussi, donc on va augmenter la taille ici de rayon de recherche à 22. Avec 22, ça veut dire que je peux faire tout ça en plus. Pierre, ça va être pour le genre, je pense. Decker, ouais, t'as besoin d'aller bouffer, on va pas te laisser finir tout ça. Machinerie. Non. Ok. Voilà. Vas-y. Ton truc est comment là? C'est toujours légèrement impressionnant. Ici, c'est toujours légèrement impressionnant. Donc, aucun problème là. On n'a pas eu trop de chance avec nos pieux, nous autres. Hein. Mais bon. Bouffe, 44, 4 végétaux, j'ai plus rien à bouffer, je vais avoir tout de suite à bouffer 88, 99, on va remballer, ok, grise ou l'autre, bio, psychopathe. Mais là, t'as rien qui m'intéresse. Dan. Toi, t'es jeune. On va te garder, Dan. Toi, je te vire. Allez, hop. T'as plus rien à bouffer. Là-bas, un faillant. Et on te met dehors. Prisonnier. Libéré. Voilà. Ça fait dire encore une bouffe en moins à mourir. Il fait combien? 56, 14 heures, ouais, ça, j'espère pourtant que tu vas arriver au bout, mais normalement oui. On a vu que l'eau était passée, donc quand même 57 degrés, hop, au feu, encore un zit, ça c'est hyper rapide,
Mais d'accord. Eh ben. Qu'est-ce qui est le plus proche? Emmanuel Risney. Becker. Enfin. Le moment de perdre quoi que ce soit. Non, des mécaniques pour qui cette fois-ci? Pour Decker. Ben c'est bien les mécaniques fibreuses, non? C'était bien, on était content de ça. Alors, ça donnait un gros boost, hein? Ça donnait un gros boost. Par contre, ça me donnait de la douleur. Un peu de perte de conscience, mais bon, ça va quoi. Allez, bon, on verra ça après. Foncez là-dessus parce que j'ai pas envie de tout perdre. Et ici aussi, ok, on va. Ben voilà, c'est bon. Ouais, perdez rien. Sauvé. T'as rien perdu? Non. 66 sur 85. Tout ça, c'est bien. On n'a rien paumé. D'accord. Bon, Decker, t'es au pieu? T'es pas au pieu? Decker, t'es où? Se repose. Ok. Grise. LR. Allez, tu es libéré, Grise. Tu fais quoi, Grise? Hop, oui. Qui s'occupe de toi. Non, Libellule, tu vas t'occuper de Decker d'abord. Voilà. Grise, t'es là, tu répares et après tu vires cette personne-ci. Voilà. Comme ça. Hop, tu laisses ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette manière? Voilà, les piquer à bouffer, quoi. Hein? Regardez comment tu es. La mission, c'est pour Grizzly et Decker. Il n'y a plus rien à bouffer pour vous, messieurs. Ok, on va mettre ici dedans. Est-ce que j'ai le droit de stocker? Oui, non, je ne peux pas faire ça. Donc, on va mettre un petit peu de... On va leur permettre de bouffer... Nous avons 7 plats, donc tout le monde va pouvoir manger un petit peu de plats simples. Assignation simple, simple, simple et simple. Parfait. Alors, vous autres, vous avez faim aussi? Oui, vous avez tout le monde à faim, prisonnier. Alors, vous êtes à 21 et Vache est à 9.3. Et oui, elle, elle mange normalement. Elle devra avoir à manger. Ok. Ok. Donc, au moment où ils vont tous aller se faire bouffer un petit morceau, l'autre est parti. On va la suivre un petit peu. Santé. Normalement, ça devrait aller. J'espère. Pas sûr. Tu vas par où là? Ok, tu descends par ici. C'est bon. Ok, adieu Grise. Bonne journée à ma belle, bonne journée à toi. Voilà, bonne chose de faite. On n'a plus rien à bouffer. 99%. Et il est 20h. Nous avons encore plus du tout de bouffe ici. Par contre, nous avons encore des œufs d'oie. Alors, combien on a? 9. Et on en a encore un.
tout petit peu, je crois, récolté ici. Oui. On en a encore 2, 4, 6, 8. 8. Moi, je pense que c'est intéressant de. Donc, ça, je te vire. Et on va faire une copie encore. Ici. Est-ce que tu es gêné? Tu n'es pas du tout gêné par ceci. Parce que celui-là, il m'embête un peu. Ils sont mal mis. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont mal mis. Vous autres, vous n'avez plus rien à bouffer. Ok. On va vous donner. Gérer les règles. Choisir une nouvelle alimentation. On va contrôler A, on va dire, comment ça s'appelle, pemmican. Pemmican, on efface tout et on autorise le pemmican. Ok, donc, vous d'autres, pemmican. Pemmican, dame, pemmican. Toi, t'as bouffé, mais les autres, ils ont tout le monde à bouffer, donc jusque-là, ça devrait aller. Et normalement, à partir d'ici, on va commencer à pouvoir, voilà, 99, normalement, on devrait pouvoir les récolter très vite. Alors ici, je vais mettre un réservoir avec des pommes de terre ou du riz, n'importe la première chose qui me vient à l'esprit, mon cher ami. Ah, c'est limite, hein, timing là. Regarde, tu me feras ça, mon petit. Alors, on a combien? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bacs pour 4, 5, 6, 7 personnes. Il me faut encore un bac supplémentaire. Construire une copie. Et on va le mettre... ouais. Ici, il est très bien aussi. Voilà. Voilà, donc là, on a tout ce qu'il faut au niveau des bacs. Raté 7% de chance. Maman va bientôt arriver. Hein, 7% de chance. Bon, ben ça, on va finir par venir. Hein. Maman, on n'a plus rien à manger. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel disponible? Un cueilleur cherche un toit. Nouvelle quête disponible. 3 étoiles. Un cueilleur nommé English vous appelle. Il est pourchassé par des indigènes. De le clan du courant. Le clan du courant, on sait qu'il vient à poil. Il a 72 ans. Il veut rejoindre notre colonie à 72 ans. Et il... ben non, mon petit gars. Si tu n'avais pas eu 72 ans, ça aurait été avec plaisir, vois-tu, même. Ça aurait été avec plaisir. Mais là, non. Désolé, 72 ans. Mais pourquoi est-ce que le jeu nous donne des trucs pareils, quoi? Je comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Donc on peut améliorer, on peut améliorer, on peut améliorer ici. Le clan des mers, pour le moment, bah, on va pas trop améliorer non plus. On pourrait améliorer. Mais non, pas pour le moment. 76, c'est bien. Ok, on va, j'ai oublié de dire non.
dire non, voilà, désolé. Je me demande si Wiz, quand on va la voir, si elle va garder son statut de dame, hein, de knight. Puisqu'elle nous demande, on est embêté avec ces trucs, hein. Embêté avec ces trucs. Sauvegarde automatique. Allez, ce coup-ci, normalement, voilà, prêt à récolter. Allez, ils sont occupés, c'est parti mon kiki, tu récoltes, on récolte. Allez les petits gars, on doit avoir faim là. Voilà, c'est parti. Alors, je ne sais plus, Wiz. Tamoufé, c'est bon. Ceux-ci, ils n'ont pas encore bouffé. Si, ils ont bouffé. Ils ont tout le monde à bouffer. Vous autres, vous êtes quoi? Food simple, non. Vous repassez en pâte. Tout le monde revient en pâte. Voilà, et food pâte, et d'accord, food pâte. J'aurais pu faire un glissé. Voilà, c'est parti, et on pourra manger cette fois-ci. Voilà, c'est super. Très, très, très pratique. Grizzly, lui, tout ce qu'il fait, c'est planter. Il a assez de boulot avec ça. Les arbres, comment sont-ils déjà? Mur à 25, c'est pas beaucoup ça. Mur à 25, ça c'est mur à 24, ouais, malheureusement. On a pas mal de patates quand même supplémentaires. Le plant de coton, 24%, c'est vraiment pas beaucoup. Mais je crois que j'avais du coton un peu plus haut ici. Ah, 16%. 93. Allez, les petits gars, il faut les récolter après. Hein. Je vais faire ça. Son ardoine. Bah, allez, vas-y, finis-le, mais c'est pas du tout ça que je veux que tu me fasses, mon ami. Voilà, vas-y, maintenant tu récoltes, hein, logiquement. Il va tellement vite que les autres n'ont même pas le temps de. Tu vas cuisiner, mais pas ça. On va pour le moment mettre tout le monde en pâte. 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 Disons que elle peut se mettre en. Elle, je vais la mettre en. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Elle, tu vas venir en pemmican pour toi. Et pour l'instant, je vais dire que je ne fais pas de bouffe. Donc, pour l'instant, je vais suspendre tout ça. Comme ça, lui récolte les plants de riz. Parce que là, faut pas rêver, quoi. Hein. T'as tellement de boulot. D'ailleurs, je vais pour l'instant ta restriction. Quelle heure est-il? Il est 17h. Ouais. Tu dois avoir fini à ce moment-là. Hein. Voilà. Ouais, c'est pas mal, hein, oui. Même à deux, là, ils n'arrivent pas à suivre notre ami planté, déplanté. Toi, tu plantes, le chauffe, c'est bien. Et donc, normalement, vous allez me porter des trucs là, je suppose, les enfants. Hein? Ouais, c'est ça. Et
Eh bien, écoutez, on va. On va plus ou moins stopper la partie ici, hein? Et on reprendra un peu plus tard. Allez, merci de l'avoir suivi. Et je vous souhaite un très très beau lundi, bien ensoleillé, un beau ciel bleu. Ciao!